Sentir dans mes mains le chaud contact d'un manchon de charrue. Sentir couler le grain entre mes doigts. Caresser les cheveux de ma femme. Mais je ne peux pas, parce que mon métier est de tuer. Regarder les autres hommes dans les yeux, contempler leur sourire, leur tendre la main et sentir leurs mains serrer la mienne. Mais je ne peux pas, parce que mon métier est de tuer. Du sud m'attendent. Les cimes des arbres se penchent vers moi. Le printemps revient. Ce n'est pas l'heure de mourir. Je sais comme tout cela est profondément vrai, mais la voix me manque pour le dire. Pas trop mal cette fois encore, Duke. Je m'en tirerai. Et où ça? Là où je trouverai à acheter un morceau de terre. Avec Jeanne. Mais je veux avoir un foyer, une maison, une vie de famille. Tu fais des rêves impossibles, Steve. Tu sais très bien que notre vie est liée à notre métier de justicier. Une fois qu'on a mis le doigt sur la gâchette, on y est attaché pour toujours. Il faut continuer à tuer pour ne pas être tué. C'est au moment où tu ne t'y attendras plus qu'un jeune plein d'ambition découvrira ta retraite. Malgré toutes les précautions que tu auras pu prendre, il te provoquera pour se vanter d'avoir abattu le célèbre Steve Blade. Ça reste à prouver. Il te faut des preuves? La balle qui a tué ma femme il y a 5 ans, c'est à moi qu'elle était destinée. À moi, Duke Buchanan. J'aurais peut-être plus de chance. C'est ce que je te souhaite. Mais laisse ma fille en dehors de tes projets, veux-tu? J'ai beaucoup d'affection pour toi et je ne veux pas être celui qui sera peut-être un jour forcé de te loger 20 grammes de plomb entre les deux yeux.
Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous nous attachez? Prenez notre argent. Prenez tout ce que vous voudrez, mais laissez-nous, laissez-nous. Nous vous prendrons votre argent comme convenu que si nous réussissons à vous débarrasser de Ramirez et de sa bande. Ce sera notre salaire. Mais si on ne peut pas vous en débarrasser et que nous restions sur le terrain, vous pourriez leur dire que c'est nous qui avons attaqué le village et volé votre argent. Comme ça, ça vous évitera sans doute des représailles. Bande bandide! Mets-leur un baillon, Steve. Voilà Ramirez. Ils sont tous morts ou bien ils se cachent. Vous voulez assister à l'abri, à la répétition de mon prochain spectacle, peut-être? On est venu pour toucher la récompense à qui vous débarrassera de Ramirez et de sa bande. Compte jusqu'à 20, Steve. Lève les mains un peu plus haut. Chercher un médecin. Il n'y a pas de médecin ici, mais je suis un peu vétérinaire. Ce sera bien suffisant. Nous autres, nous sommes des animaux de boucherie. La blessure a l'air profonde, mais je vais essayer de le soigner. Transporte-le d'abord à l'intérieur. Va chauffer un peu d'eau, Consuelo. Paco, cours chercher mes instruments. Allez, va!
j'aime autant sentir la douleur. Comme ça, du moins, je pourrais me rendre compte si je suis encore vivant. Ne parlez pas. Laisse-moi parler, toi, et fais ton travail. Steve, écoute-moi bien. C'est ici que nous allons nous séparer. Tiens, prends la sacoche. Tu donneras ce qui me revient à Joanna. Mais sans lui dire ce qui m'est arrivé. Tu préviendras Fabienne. Oui, Duke. Steve, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Eh bien, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Rappelle-toi, je t'interdis de toucher ma fille. Elle est le seul bien qui me reste au monde. Où que tu ailles, tu m'entends. Je te retrouverai. Pour te loger une balle entre les deux yeux. Je le sais. Tu vois, je suis de retour. Est-ce que tu veux jouer? Non, c'est toi que je veux. Et que m'offres-tu? Tout ce que tu peux désirer. Dans ce cas, tu dois être très riche. J'ai mon revolver. J'ai déjà un homme avec un revolver. Il m'a offert jusqu'ici que bien peu de choses. Eh bien, je tuerai cet homme. Tu es bien jeune pour vouloir mourir d'une balle entre les deux yeux. Dis-moi qui c'est. Comment s'appelle-t-il? Attention, laisse-moi. Bonjour, Steve. Je suis heureuse de te voir ici. Il faut que je te parle. Oui, Duke. Tu as entendu? Il faut que je lui parle. Duke est blessé. Il est resté à Casas Colones. Est-ce que c'est grave? On a pu extraire la balle. Il s'en remettra peut-être. Il veut te voir. Que vas-tu faire, toi? J'espère trouver un coin de terre où je pourrais vivre tranquille. Emmène-moi avec toi, Steve. Je commence à en avoir assez d'être ici. Mais tu es la femme de Duke. Mais c'est toi que j'aime. Je suis désolé. Où je vais, il n'y a de place que pour une seule femme. Tu veux épouser Joanna? Ne fais pas ça. Duke te tuera, Steve. Si je t'emmenais, il me tuerait aussi. Avec Joanna, je risque au moins ma vie pour quelqu'un qui en vaut la peine. Duke m'avait donné cet argent pour Joanna. C'est moi désormais qui subviendrai à ses besoins. C'est lui dont je t'ai parlé. Hé, hey, regarde-moi en face si t'en as le courage. Alors est-ce que t'es sourd? Regarde-moi en face si tu n'es pas un lâche. Je vais compter jusqu'à trois. Tu m'as entendu? Et à trois, je fais feu. Un. Deux. Pas maladroit, le gringo. Si, en plus de ça, il a de l'argent plein sa sacoche. Thank you.
Tu es fatiguée, Johanna? Un peu, oui. Nous allons nous arrêter ici. Vous savez où est l'homme qui a été blessé, seigneur? Oui, venez par ici. C'est moi qui l'ai soigné. Il va déjà beaucoup mieux, vous savez quoi. À quoi penses-tu, ma chérie? À la même chose que toi, tu sais bien, à mon père. Quand il ne me retrouvera pas en rentrant, comment le prendras-tu? Mal. Dans la vie, quand un homme veut se marier, il enlève toujours une fille à son père. Et quand cet homme, à son tour, est devenu père, il tolère très mal qu'on lui enlève sa fille. Qu'est-ce qui va nous arriver, Steve? Rien. Avant qu'il ait réussi à nous retrouver, toi et moi, nous serons mariés. Et il se calmera facilement si nous avons aussi la chance de lui mettre un petit-fils dans les bras. Steve... Tira! Toi, pauvre Mexicain, seigneur. Qu'est-ce que vous me voulez? Un peu d'argent, seigneur, et si vous n'en donnez pas, vous irez au ciel. Bien au diable! Et comment voulez-vous que des pauvres Mexicains aillent rendre visite au diable les poches vides? Allons, soyez gentils, seigneur. Donnez-nous votre argent de mon gré. Vous... Venez le chercher vous-même! Ah, vous avez tort de les prendre comme ça. Ce serait dommage pour cette jolie demoiselle. Mais nos fusils sont pointés sur l'antenne de la grotte et vous ne pouvez pas ressortir vivant. Mon cheval, où est-il? Il a fallu que je la batte, Johanna. Il s'était brisé une jambe. Oh! Et tu dis qu'il est allé remettre lui-même à ma fille l'argent que je lui ai donné, quand je pense que j'étais assez bête pour lui faire en plus cadeau d'une dot. Calme-toi, ta blessure pourrait se rouvrir et tu as perdu assez de sang. Steve m'a fait une autre blessure bien plus grave que celle-là, et qui ne se refermera que le jour où je l'aurai tué, tu entends? Ils s'aiment tous les deux, ils sont si jeunes. Un justicier à 20 ans est déjà un vieil homme. Parce que chaque minute de sa vie, il a un pied dans la tombe. Et toi, Dio? Moi, j'y suis presque tout entier. Il vaut mieux que Johanna le pleure maintenant. Il sera encore temps pour elle d'essayer de refaire sa vie. Donc tu vas le chercher, Fabienne. Il faut que tu le retrouves. Et quand tu l'auras retrouvé, tu reviendras me le dire. Pour que je puisse lui faire faire un beau cercueil avec des poignées d'argent. Je veux qu'on lui fasse des funérailles. Qui soit digne des premières et des dernières larmes que versera ma fille. Très bien. Vous aussi, mon ami. Ah,
pouvez disposer, je n'ai plus besoin de vous. Lui faire son affaire. Oui, c'est à voir, ça. Allez, voici le blanc, voici. Le rouge, allez. Écoutez, moi, je parie 10 dollars que c'est le blanc qui gagne. D'accord. Moi, le rouge. Tenez, voilà mes 10 dollars. Tu as perdu. Comment perdu? Ah ben, regarde. Ben oui, regarde. Si ton favori n'est pas mort, je te rends ton argent. Doucement, pas si vite, l'ami, là. Chut, je... ah, tâche d'être poli, hein. Lui, il est poli. Et va-t'en, allez. Bonjour, monsieur. Dame. Fais-toi donner la meilleure chambre. Hein? Je te rejoins tout de suite. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelque chose me dit qu'il y a de la terre à vendre. Et ici, elle est bonne. Allez, va te reposer, chérie. Oui, Steve. Est-ce que cette ville s'appelle Jackson et Burns? Elle s'appelle de son vrai nom Providence. Mais appelez-la comme vous voudrez. Et cette banque, est-ce qu'elle est sûre? Sûre comme un tombeau. Je peux vous assurer, Tom, que cette mine d'argent est une excellente affaire. Mais je ne suis pas mineur, moi, je suis éleveur. Avant de dire non, jetez un coup d'œil sur la carte. La banque Jackson et Burns se met à votre entière disposition, monsieur. Les deux propriétaires de cet établissement sont sûrement des hommes extraordinaires. Disons qu'ils se défendent. Vous êtes monsieur Jackson? Burns. Moi, je m'appelle Bled. Steve Bled, je voudrais déposer cet argent. Occupez-vous de monsieur, s'il vous plaît. Je m'occuperai de monsieur Bled. Vous comptez peut-être demeurer pendant quelque temps à Providence? Je compte même m'y installer si je trouve une bonne terre à acheter. Ça m'étonnerait beaucoup, monsieur. Je dois vous dire que les bonnes terres sont à nous. Ah. Nous les avons rachetés parce que les paysans les abandonnaient. Et nous tenons à ce que Providence devienne un jour une cité prospère et riche. Et vous y avez bien sûr tout intérêt. Exactement. Mais si vous cherchez à faire un placement intéressant, j'ai justement une bonne mine d'argent à vous céder. Non, je n'ai pas confiance. En moi? Dans les mines d'argent. Ce métal se vend très mal à l'heure actuelle. Là, je dois vous dire que vous faites erreur. Bon, je me suis tellement souvent trompé, une fois de plus ou de moins. J'ai là 6 000 dollars. Jim, préparez un reçu, voulez-vous? Au nom de monsieur, monsieur Steve Blade, pour la somme de 6 000 dollars. Vous écrivez rudement bien de la main gauche. Et vous, je trouve que vous êtes rudement observateur. Dans ma profession, il faut savoir ouvrir l'œil. Et en quoi consiste-t-elle, s'il vous plaît? Votre profession? À gratter la terre. Si j'en trouve une à acheter. Oui. Thank you.
voulez remettre une ferrure à mon cheval? Avec la fête, j'ai beaucoup de travail, mais je vous le ferai en fin de soirée. Oh, je n'en aurai besoin que demain. Tu peux l'emmener, Tommy. Dites donc, vous ne sauriez pas s'il y a de la terre à vendre par ici? J'en sais rien, mais ça m'étonnerait. Reviens voir demain, t'entends? Donnez-lui ce qu'il vous demande. Hein? Pour moi, ce sera une bière. Hé, hey, t'as pas entendu? T'as dit de me donner à boire! C'est toi qui bois le premier. Ça ne fait rien, je ne suis pas pressé, servez-le. Dites-moi, vous ne connaissez pas quelqu'un qui a de la terre à vendre? Non, j'en fais rien, et c'est pas à moi qu'il faut le demander. Moi, je connais quelqu'un. Où habite-t-il? j'ai rien dit, je voulais seulement vous dire merci pour le whisky. Vous venez de très loin, sans doute? D'assez loin, oui. Pourquoi? Franchement, un bon ami, je ne donnerais pas le conseil d'acheter une ferme par ici, parce que les bêtes maigrissent, meurent. C'est vrai, dans ce pays, elles crèvent comme des mouches. Et vous les aidez? Que voulez-vous dire par là? Que vous n'avez pas l'air de faire grand-chose pour empêcher le bétail de périr. Moi, je travaille pour Jackson et Burns. Oui, je m'en serais douté. Et pour mes employeurs, le bétail en Grèce, il se multiplie, la sécheresse n'existe pas. Ils pourraient même, s'ils le voulaient, faire venir le déluge. Oui, je vous crois. En venant, j'ai vu des prairies superbes et des bêtes splendides. Combien est-ce que vous en voulez? Si seulement je pouvais le vendre. Pourquoi? Il n'est pas à vous? Si, mais comme je n'ai pas payé une vieille dette de $150 à la banque Jackson et Burns, ils me font vendre aux enchères mes chevaux qui en valent le triple. Et alors, qu'est-ce qu'on attend pour commencer la vente? Bonjour, Monsieur Jackson. Messieurs, je déclare les enchères ouvertes. Nous allons commencer par ce superbe animal. La mise à prix est de $40. Est-ce qu'il y a des acheteurs? Allons, messieurs, décidons-nous. Est-ce qu'il y a preneur à ce prix? J'en offre 45. Je dis $45. Merci, Monsieur Jackson. Nous disons $45 pour Monsieur Jackson. Un moment. Ça suffit. Je vais adjuger $45 une fois. $45 deux fois. $50. $45 trois fois. J'ai dit $50. Voilà une plaisanterie qui va lui coûter cher. Voulez-vous que j'essaie de... Non, je vais lui jouer un tour à ma façon. Je vais pousser l'enchère et me retirer à temps. $75. $80. $100. $125. $150. Mais allez-y. C'est à vous de parler, monsieur. Allons, encore un petit effort. Non, adjugez-le à ce prix. Vous faites une bonne affaire. Mes félicitations. Si vous avez toujours l'intention d'acheter une ferme, moi j'en connais une. Elle appartient au vieux Williams. Ça, je peux vous le dire, c'est un coin béni des dieux, une vraie merveille. Figurez-vous que c'est sur ces terres qui situe la source qui irrigue toute la vallée. Et qu'est-ce qui vous fait supposer qu'il est vendeur? Williams est entêté comme un âne. Il se ferait tuer sur place plutôt que de vendre au prix que voudrait lui imposer Burns et son associé. Mais si vous lui faites une proposition intéressante, je suis sûr qu'il regardera deux fois avant de la refuser. Pourquoi vous êtes-vous décidé à me le dire? Parce que vous m'avez payé à boire et parce que j'étais chez lui comme gardien de bétail. Avant que ces brutes se mettent à tuer toutes les bêtes une par une. Depuis ça, je n'y suis jamais retourné. Ça m'aurait sûrement fendu le cœur. Et où est-elle, cette ferme en question? Une petite heure de cheval vers le nord, en montant le torrent. Impossible de se perdre. Et maintenant, je vous dis bonne route et bonne chance. Parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Attention, vous avez dû boire un verre de trop. Et ça?
boirais encore plus si j'avais assez d'argent. Le whisky m'aide à oublier toutes les misères que je vois tous les jours autour de moi. Ah oui? Alors allez oublier les miennes avec les vôtres. Tenez. Pour qu'il te donne un dollar. Tu pourrais pas répondre quand on te pose une question, alors tu vas parler. Réponds, bon, je te dis. Et n'essaie pas de te payer notre tête, hein, espèce de soulard. Laissez-le tranquille, Oliver. Bah, qu'est-ce qui vous prend, chéri? On est en train de plaisanter. Pas vrai, Buck, qu'on plaisante tous les deux? Votre bière, chéri. Mais il m'a fait tomber mon verre. Chéri, vous avez vu, il m'a fait tomber mon verre. Pourquoi, Oliver? Alors, j'ai rien fait, moi, shérif. C'est lui qui a la tremblote. Ah, c'est vrai? Regardez ses mains, shérif. Eh ben, donne-moi un autre. Je t'ai dit que je veux que tu m'en donnes un autre. Tu as assez bu comme ça pour aujourd'hui. Je lui en paie un autre pour demain, tiens. Est-ce que t'as entendu? Le shérif m'a payé un verre de whisky. Donne-moi moi. Il a dit pour demain. Pourquoi attendre demain? Parce que demain, c'est pas aujourd'hui. Ah. Eh bien, moi, je t'en offre pas. Mais d'abord, tu vas me dire ce que tu as raconté à ton copain. Hein? Je lui ai parlé de la ferme du vieux Williams. J'ai peur, Steve. De qui? De ton père? Je n'en sais rien au juste. Ils n'ont pas arrêté de tirer les coups de feu dehors. Mais c'est la fête, chérie. Tu les entends? Ils continuent. Oh, ils ont trop bu toute la journée. Le soir venu, ils sont un peu gais. Je sens que je ne me plairai pas ici. Mais toi? Mais on ne croit pas ça. Ce village en vaut un autre. Je pense que j'ai trouvé ici ce que nous cherchions. Une poignée de bonne terre. Un endroit béni de Dieu. Une petite ferme où naît la petite rivière qui irrigue toute la vallée. Tu verras. Tu t'y plairas, j'en suis sûr. Je l'espère tellement. Est-ce que tu as encore peur? Laisse-les donc faire. Nous serons bientôt très loin de tout ça. Je ne viendrai de temps en temps en ville que pour acheter des provisions. Le reste du temps, il faudra que j'apprenne mon métier de paysan. Les paysans ne portent pas d'armes, Steve. Je le sais. Sois tranquille, chérie. Une fois que j'aurai conclu l'affaire, je deviendrai un autre homme. Je ne serai plus qu'à toi. Pour toujours. Parce que je t'aime. C'est non et ce sera toujours non. Jamais je ne vendrai ma ferme à vos sales fripouilles de patron. Je n'ai pas de patron et je suis un ami. Je viens de la part de Buck. Quel Buck?
Je n'en connais qu'un, et c'est un vieil ivrogne. J'ai bien lui avancé. Ça ne vous ferait rien d'abaisser ça? Laissez-moi d'abord vous regarder bien en face, jeune homme. Oui, vous me plaisez. Vous ne devez pas être un petit saint, vous non plus. Mais je crois que je peux vous faire confiance. Allez, je vous écoute. Je veux acheter votre ferme. Ça, je m'en doutais. Je suis prêt à la payer le prix que vous voudrez. Vous n'êtes pas de la région, hein? Vous n'avez pas l'air de vous douter de ce qui vous attend. Cette terre vaut 5 000 $, pas un de moins. Êtes-vous prêt à payer ce prix-là? Ça les vaut. Vous y ai jeté un coup d'œil en venant. C'est un homme pratique. Je n'aime pas perdre de temps. 1 000 $. 1 000 misérables $, c'est la somme que m'ont offert ces crapules. Ils m'ont menacé, ils ont cherché à me faire peur. Ils ont massacré presque toutes mes bêtes une à une. Et ils ont déjà tenté d'avoir ma peau à 3 reprises. Mais croyez-moi, aussi longtemps que le vieux Williams pourra compter sur sa fidèle amie que voilà, je vous jure bien que ces salopards ne mettront pas les pieds ici. Je vais vous la vendre à vous. Mais, je vais être franc, réfléchissez bien avant de conclure le marché. Parce que dès que je serai payé, le jour qui suit, je quitterai ce pays maudit. Mais vous, vous y resterez attaché. Ne craignez rien, allez, je n'ai pas peur d'eux. Bravo, jeune homme, nous sommes de la même race. Je suis bien content de vous vendre ma ferme. Alors, marché conclu? Je vous apporterai l'argent demain. Comptez récolter en ce moment ça? De la graine de pistolet? Non, j'ai décidé de ne plus jamais me servir d'une arme. Et malheur à celui qui m'obligera à la déterrer. À demain! À demain! C'est bien notre homme. On dirait qu'il n'a pas d'arme. Tu vois ça d'ici? Je peux voir si un homme est désarmé à n'importe quelle distance. Oh, laisse-le-moi. Non, c'est mon tour. Ne crains rien, d'ici je ne manquerai pas mon coup. Bien joué, José. Dans le mille, comme à la fête. Je vais lui donner le coup de grâce, ça sera plus prudent. Mais pas la peine, Mac. Ma première balle ne pardonne pas. Ah si, ce sera quand même plus sûr. Laisse-le donc s'amuser, Joe. Vas-y. Il était toujours volontaire pour les pelotons d'exécution quand on était au Mexique. Et le coup de grâce est devenu une passion chez lui. Oh, my God.
Regarde. Ça doit être son fantôme, pas possible. Et vous regarderez ce qu'il a. Il a dû se faire une blême, vous gratterez la sole. Je ne peux pas passer ici, il faut que j'aille à la fosse. Bon, eh bien, emmenez-le. Entendu, monsieur. Ah, quand vous aurez fini, vous n'aurez qu'à le ramener devant l'hôtel. Bien, monsieur. Un petit instant. Oui, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Vous pourriez m'indiquer où habite le juge de paix? C'est à la sortie de la ville, une grande maison. Merci. Bonsoir. Désolé, monsieur, on ferme. Mais la porte est encore ouverte. La caisse est fermée. J'ai déposé chez vous mon argent et je peux le retirer quand je veux, non? Mais il est tard, vous n'avez qu'à revenir demain. Donnez-moi mon argent tout de suite. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave. Il y a que je veux mon argent, tout simplement. C'est pour une affaire urgente? Ça va, laissez-nous. Dois-je comprendre que vous avez réussi à trouver la ferme que vous cherchiez? C'est moi que ça regarde. Donnez-moi mes 6 000 $ en attendant. Ça ne peut vraiment pas attendre demain? Non, ça ne peut vraiment pas attendre demain. Oh, à propos, en route, j'ai rencontré 3 de vos amis. Ils auraient besoin d'être enterrés. Désolé, ici c'est une banque et non une entreprise de pompes funèbres. C'est dommage, vous pourriez faire des affaires d'or. Combien retirez-vous de votre compte? Le tout. Voilà vos 6 000 $. Je vous remercie. Un moment, je vous prie. Je vais vous demander une signature. Oui. Ici. Débarrassez-moi de lui. Et après qu'il aille au diable. À condition qu'il veuille bien de lui, ce qui m'étonnerait. Comment avez-vous dit que vous vous appeliez? Fabienne. Un bien joli prénom. D'où êtes-vous? Est-ce que ça a de l'importance? Je rends hommage à votre discrétion. Et en quoi est-ce que je pourrais vous être utile, ma chère? C'est plutôt moi qui pourrais vous être utile, si vous le désirez. Je connais à fond l'art de faire tourner la roue qui porte les numéros de loterie. Et les dés n'ont aucun secret pour moi. En cas de besoin, je peux aussi chanter. Seriez-vous enfin celle que j'attends depuis si longtemps? Et si ce n'est pas indiscret, comment se fait-il que vous soyez venue à Providence? Cette ville est 100 fois trop petite pour mériter la présence d'une beauté comme la vôtre, très chère. Eh bien, disons que j'ai été obligée de m'enfuir. Vous trouverez ici le refuge le plus discret qui soit. Dans ce pays, c'est moi qui fais la loi. Non, je n'ai rien fait d'illégal. Il s'agit simplement d'un homme pour qui j'éprouve une sainte horreur. Auriez-vous horreur des hommes? Non, n'allez surtout pas croire ça. Je suis, comment dire, à la poursuite de ce que les poètes appellent l'âme sœur. Et espérez-vous la trouver ici? Qui sait? Hein, si vous faites de moi l'élu de votre cœur, je serai plein d'attention pour vous et le plus généreux des hommes. Il faudrait d'abord m'en donner la preuve. Non, tu pourras au moins frapper. Pourquoi? Depuis quand, mon cher Jackson, y a-t-il des secrets entre nous? Ah, bien sûr. D'ailleurs, nous étions en train de discuter d'affaires. Inutile de me le dire, je m'en étais aperçu. Mon associé, Monsieur Burns. Fabienne, sachez qu'en général, tendre la main gauche est très incorrect. Vous préférez celle-ci? Oh, veuillez m'excuser. Un coup de revolver, tu aurais pu avoir de plus graves conséquences. Cette dame va rester ici pour travailler avec nous. Parfait. Je t'ai toujours dit qu'il manquait ici la présence d'une femme. Et je venais de lui dire que Providence est une ville beaucoup trop modeste pour ses mérites. Et mes mérites à moi, qu'est-ce que tu en fais? Il n'y a pas 2 minutes, j'ai conclu une petite affaire qui nous rapporte la bagatelle de 6 000 $. Et après ça, tu es devenu notre Don Quichotte? Ah, le pauvre. Encore heureux qu'il lui reste des jambes pour filer loin d'ici. Je voudrais bien rire, moi aussi. Là, vous en aurez souvent l'occasion quand nous sommes devenus des amis.
tu savais comme j'ai eu peur de ne pas te revoir. William, c'est un vieil entêté. J'ai mis du temps à le convaincre. Tu veux dire que... Qu'il a bien voulu me vendre sa terre. Oh, Steve, comme je suis heureuse. Qu'est-ce que tu as? Rien, chérie. J'ai dû prendre en route un bon coup de soleil. Tu as l'air fatigué. Tu devrais te coucher. Non. Nous allons partir tout de suite. Prépare nos affaires et attends-moi ici. Où vas-tu? Il faut que j'aille récupérer mon argent. Mais la banque est fermée la nuit. Tout le monde doit dormir. Pas les banquiers, chérie. Ces gens-là ont toujours les yeux ouverts. Plus de 100. Je passe. Je passe. Les deux plus 500. Pourboire. J'ai une quinte. Quinte flèche. Bonne soirée. Hein? Désolé pour toi, jeudi, mais tu te referas la prochaine fois. Est-ce que quelqu'un veut prendre sa place? Moi. Nous avons l'habitude de jouer gros jeu. Moi aussi. Vous avez tellement d'argent à perdre? J'ai les 6000 dollars que j'ai retirés ce soir de votre banque. Parole. J'ouvre de sang. Suivi. Je passe. 100 plus 500. Je veux voir. Faites-nous d'abord voir votre argent. Le voilà. Que personne ne bouge. Ou je manquerai à la promesse que j'ai faite de ne plus tuer personne. Vos mains sur la table. Tout le monde. La droite également, Monsieur Burns. C'est en trichant au jeu que vous l'avez perdu. Donnez-moi mes 6000 dollars, Jackson. Vous êtes sourd, mes 6000 dollars. Vous risquez d'avoir un associé avec deux mains de bois. Donne-lui son argent, Jackson. Donne-lui. Fais ce qu'il te dit, donne-lui tout. Steve. Allons, pressons. Allez, toi. Prends-le et donne-le-moi. Mon arme est toujours pointée sur votre main, Burns. Si vous voulez pouvoir caresser encore les jolies femmes, je vous conseille d'ordonner à vos hommes de ne pas essayer de me suivre. Que personne ne bouge. Laissez-leur partir. Tenez, où est-ce que vous allez? Vous avez tous été témoins que Plaid m'a volé 6000 dollars. Et dire que notre pauvre shérif se plaignait d'avoir tant de mal à justifier ses appointements. La banque était ouverte? Non, chérie, mais j'ai rencontré les banquiers. Où allons-nous? Nous allons à notre ferme. Mais en route, nous allons nous arrêter chez le juge de paix. Il est tard, mais il acceptera peut-être quand même de nous marier.
serait ici? Je vous attendais. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a eu un vol à main armée au saloon. Steve! Le shérif a été mal renseigné. Il n'y a pas eu de vol à main armée. Je me suis contenté de reprendre l'argent que Burns m'avait volé après m'avoir fait signer un reçu quand je l'ai tiré de mon compte. J'avais déposé chez lui 6 000 $ le jour de la fête. C'est vrai, shérif, je vous le jure. Et vous le savez? Non, je ne sais pas, mais c'est sans doute la vérité. Et alors? Il n'y a pas de preuve, mais ils ont des témoins et de quoi vous envoyer vous balancer au bout d'une corde. Non! Remettez-moi ça en place. Je n'ai pas l'intention de vous arrêter, je suis seulement venu chercher l'argent. Cet argent est à moi, il doit me servir à acheter la ferme. De toute façon, vous ne pourrez plus l'acheter. Le vieux Williams a été abattu, mes hommes viennent de l'enterrer. Ce n'est pas lui qui l'a tué. Je le sais. C'est le revolver de l'hiver, je lui rendrai. Je croyais que pour cultiver la terre, je n'aurais plus besoin d'armes. Ce pauvre William savait très bien qu'il le tuerait, tôt ou tard. Et pour que sa terre ne tombe pas entre les mains de Jackson, il m'en avait fait propriétaire sans rien dire. Je vous la donne, Blade. Et maintenant, rendez-moi les 6 000 $. Je ne comprends pas, shérif. Pourquoi vous prêtez à leur jeu? J'étais déjà shérif de Providence avant l'arrivée dans le pays de Burns et de Jackson. Et peu à peu, la situation m'a échappé complètement. Et maintenant, je ne suis plus qu'un vieil homme. J'ai vu naître beaucoup d'enfants dans ce pays et j'ai vu mourir beaucoup de mes concitoyens. Ils m'ont laissé à mon poste pour sauvegarder les apparences, j'ai accepté pour sauver ce qui pouvait l'être. Ça aurait pu être pire si j'étais parti. Cultivez donc en paix votre terre, vous et votre femme. Et quand vous aurez besoin de temps en temps d'aller en ville, laissez votre revolver accroché dans un coin de la grange. Le reste, j'en fais mon affaire. Ah, j'ai oublié de vous dire. Merci de m'avoir débarrassé de ces 3 fripouilles. Vous traitez toujours vos hôtes de cette façon cavalière? Non, non, seulement ceux qui m'apportent une. Comme Steve Blade, par exemple. Vous le connaissez? Je connais surtout l'homme qui peut vous débarrasser de lui. Oh, le shérif s'est déjà chargé de me débarrasser de cet individu dangereux. Non, songez plutôt à vous occuper de moi. On ne vous a jamais appris à frapper avant d'entrer. Excusez-moi, je vous croyais seul. Tenez, Jackson, je vous rapporte votre argent. Bravo, shérif. Et mon voleur? Je vous conseille de ne pas assister. J'ai vu ce garçon déposer l'argent l'autre jour à la banque. Et qu'est-ce que vous essayez d'insinuer? Auriez-vous oublié que vous êtes payé pour faire votre métier? Est-ce que ça signifie que je devrais vous arrêter pour le meurtre de ce pauvre Williams? Faites attention à ce que vous dites! Et vous, est-ce que vous faites? Encore un autre crime et je devrais faire appel à la police fédérale. Comment vous osez me menacer? J'ai supporté jusqu'ici bien des choses pour éviter le pire. Mais à présent, c'est fini! Vous parlez au maire de la ville et ne l'oubliez pas! Vous ne le serez plus très longtemps. Et n'essayez pas de mettre la main sur les terres de Williams. Le vieux est mort. Et sa ferme est comme si elle m'appartenait. Vous vous trompez, Monsieur Jackson. Ces terres sont à Steve Blade. Williams, tu en as fait don avant de mourir. Fichez le camp et fermez-moi cette porte, imbécile! Ah, il me le paiera. Il me le paiera cher. Il a réussi à m'enlever la meilleure terre de toute la vallée. Il reste l'homme dont je vous ai parlé? Eh bien d'accord, faites-le venir. Tenez, tout cet argent est à vous si vous le faites venir le plus vite possible. Mais il faudra qu'il abatte ce Steve Blade, qu'il l'abatte comme un chien. Bonjour, Monsieur Blade. Salut, Buck. Vous voulez que je vous aide? Volontiers, vous êtes très gentil. Attention, c'est lourd. Oh, mais je pense bien que c'est lourd. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, du plomb? Non, des graines de semences. Oh, j'aurais jamais cru que ça pouvait peser si lourd. Oh. Vous n'êtes pas venu par là depuis un sacré bout de temps, hein? Bah, il y a tellement à faire. Ma femme et moi, nous travaillons beaucoup. Mais je pense, vous ne connaissez pas quelqu'un qui voudrait m'aider?
Ça m'étonnerait qu'il y ait un seul dans le pays qui soit assez courageux pour se mettre à dos toute la bande de Jackson et de Burns. Et vous, vous en auriez le courage? Oh, vous savez, à mon âge, je risque pas grand-chose, mais c'est plutôt le travail qui me fait peur. Ah, je ne m'en serais pas douté, excusez-moi. Et c'est pourtant vous qui avez voulu m'aider à porter mes sacs. Oui, j'ai compris, le whisky fait quelquefois de ces miracles. Non, un seul. Pour moi, ce sera une bière. Consentez quand même, je les vois. Comment va ma fille, Steve? Ma femme va bien, Duke. Est-ce que tu crois que cette précision peut changer quoi que ce soit à ce qui s'est passé? Pour moi, rien n'est changé. Pourquoi n'as-tu pas ton revolver? Parce que ça ne sert à rien pour cultiver la terre. Peut-être qu'il ne te sert plus. Tu vas le chercher parce que tu vas en avoir besoin pour la dernière fois. Et si je refuse? Dans ce cas-là, je serai forcé de te tuer devant Johanna. Est-ce que tu tiens tant à la perdre? Je l'ai déjà perdue à la minute même où tu me l'as enlevée. Mais nous la perdrons tous les deux. Parce qu'elle haïra celui qui tuera son mari, comme celui qui tuera son père. Et c'est ce que tu voudrais? Non, c'est toi qui l'aurais voulu. Moi, j'ai voulu une maison, j'ai voulu une femme et des enfants. J'ai eu une fille et je l'ai perdue. Non, elle te restera. Si tu sais renoncer à ta vengeance et ne pas lui enlever le bonheur qu'elle mérite. Non, Steve, je suis obligé de tuer, tu le sais très bien. Un justicier est craint parce qu'on sait qu'il n'hésite jamais à exécuter ses menaces. Nous en avons toujours fait un point d'honneur. Je tiens à le respecter. Et j'ai dit que j'arrêterai Steve Plaid. Regarde-la. On croirait qu'elle porte déjà le deuil de l'un de nous deux. Qu'est-ce que tu dis? C'est elle qui est cause de tout. Non, ce n'est pas vrai, Duke. J'avais pris sa tenue de travail pour une toilette de deuil. Où veux-tu en venir, Steve? Oh, à rien. Mais j'aime encore mieux mourir pour Johanna. Est-ce que tu insinues que tu avais le choix entre ma fille et Fabienne? Nous autres justiciers avons le sens de l'honneur. Et que sont devenus les 6000 dollars que je t'avais donnés pour Johanna? Elle ne te les a pas remis? Ne crois pas ce qu'il te dit, Duke, ne le crois pas. Tu sauras si je le crois ou non quand j'aurai réglé l'affaire pour laquelle je suis venu. Mais écoute, Duke. Non, non, ne te donne pas la peine, Steve. Je sais très bien lequel des deux a dit la vérité. Demain, au lever du soleil, tu vas m'attendre ici. Et viens avec ton revolver. Autrement, je serai obligé de te tuer devant Johanna, je le regretterai. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, je te dirai ça demain. Vous allez me désigner deux de ces hommes et les envoyer immédiatement en direction du Nord avec une cinquantaine de têtes de bétail. Oh, sceriffo, soffre d'insonnia. Sarà contento di corrervi dietro tutta la notte. Harold, Jackson. Continua pure, mia cara. Burns sa di noi. Aiutami se mi ami. Voglio restare con te. Chi te lo impedisce? Duke, domani dopo aver ucciso Steve mi costringerà a seguirlo. Perché ridete? Perché dove andrà il tuo Duke? Non c'è posto per una bella donna come te. Allez, on fait demi-tour. Pourquoi, shérif? Personne n'oserait voler du bétail appartenant à Jackson et à Burns. Ils ont
ont sûrement voulu m'éloigner de la ville. Ils doivent mijoter quelque chose. Suivez-moi. Je suis un ami, madame. Mais je ne vous connais pas. Je sais, je suis un ami de votre mari. Il n'est pas ici. Je sais. Je l'ai vu partir et j'ai attendu qu'il s'en aille pour pouvoir vous parler tranquillement. Ne vous approchez pas. Oh non, je suis bien trop vieux pour vous faire du mal. Et je suis bien trop fatigué, je suis mieux jusque chez vous à pied. Que voulez-vous? Je viens vous dire que votre père est arrivé hier soir. Non. Si, et ils doivent se rencontrer au lever du soleil. Mais alors... Pour quelle raison venez-vous? Parce que je ne vois pas qui d'autre peut les empêcher de s'entretuer. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Le matin, le soleil se lève très vite par ici. Et puis avant qu'on ait le temps de vivre, la nuit tombe. Partons. Scellez les chevaux et partons vite. Tous mes hommes sont à leur poste. Parfait. Dites-leur d'ouvrir le feu au premier coup de revolver. C'est fait, ils sont déjà mis au courant.
pourrait mal tourner. Allez, tout de suite, scellez les chevaux, dépêchez-vous. Bande d'imbéciles, mais qu'est-ce qu'ils font, ces idiots? Ah, ils ne font rien. D'accord, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais laisse-moi, hein. Je vais leur montrer comment je m'appelle. Vite, arrête-moi donc, je te dis. N'essayez pas de fuir, Burns. Non. Oh. N'approchez pas, chérie. Je vous conseille de me laisser passer. Vous n'oseriez tout de même pas tirer sur une femme. Pour la dernière fois, laissez-moi passer ou je la tue. Oh. Servi à grand chose, parce qu'avant peu vous serez pendu. Maman!
dita, il legno caldo di un aratro, le spighe pungenti del grano, i capelli morbidi della mia donna. Ma non posso, perché devo uccidere.